Salut, c'est Miss Agneau. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo construction. Une des plus grosses maisons que j'ai jamais fait et une des maisons où j'ai vraiment passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Ça fait plusieurs semaines que je vous en parle de cette maison, si vous suivez mes let's play. C'est la maison des modèles, c'est-à-dire que je vais prendre tout le groupe des modèles parce qu'ils n'habitaient pas ensemble et je leur ai fait une maison. Donc il a fallu qu'elle soit grande parce que le groupe des modèles est composé d'un garçon et de trois filles, mais sachant qu'il y a Flora, ma petite Flora, donc qui est la fille de Gaël, qui a rejoint les modèles récemment, donc ça fait qu'on passe à quatre filles et un garçon, donc il a fallu créer une grande maison avec cinq chambres. Genre, j'ai voulu aussi leur faire une maison originale, à la fois classe, mais à la fois qui reste jeune, qui est du rose aussi. Parce que c'est les modèles, il faut le rappeler, donc le groupe voilà, fashion, qui sont à fond sur la mode. Il a fallu aussi que je crée 5 chambres de styles différents. Donc le mec encore, ça allait, parce qu'il n'y a qu'un seul garçon, donc le garçon, voilà. Mais après, créer 4 chambres de filles différentes, plusieurs salles de bain. Donc c'est vrai que j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps sur cette maison. Et au final, quand je vois le résultat, eh ben, je crois que c'est à l'heure actuelle des choses la maison, ma maison préférée. C'est une maison que j'aime beaucoup au final. Et j'espère vraiment que vous allez l'aimer autant que moi. Moi j'en suis vraiment très fière et très très contente de cette maison. Comme je vous ai dit, ça m'a pris beaucoup beaucoup de temps à la faire. Donc j'attends vraiment vos commentaires avec beaucoup d'impatience pour que vous allez me dire, enfin que vous me dites voilà si vous êtes vraiment, enfin si vous la trouvez vraiment aussi belle que moi. J'ai essayé de leur faire aussi un extérieur, vous verrez, original avec deux piscines en fait, mais les piscines pas à la même hauteur. J'ai voulu vraiment donner une dimension énorme au truc. Enfin, je vous laisse regarder la construction et on se retrouve juste après pour la présentation finale.
Et voilà le résultat final de cette belle grande maison. Donc au niveau devant, voilà, ça leur fait une petite cour en fait, avec des escaliers qui arrivent de chaque côté. Ça, c'est une des fontailles d'ailleurs qu'il y a dans le nouveau kit d'objets comme au jardin. Derrière, comme je vous disais, donc j'ai fait deux piscines. Il y en a une qui est un peu plus haute que l'autre. Et j'ai voulu mettre des cascades en fait pour que ça retombe dedans. J'ai mis des plantes un petit peu par-ci par-là. Ils ont leur petit coin avec un sofa, le coin avec la table et le pare-bocs. Donc voilà, là on voit les piscines un peu mieux. J'ai essayé de mettre beaucoup de plantes, de fleurs pour que ça fasse un joli extérieur avec des belles piscines. Ça donne bien envie. Voilà, là on voit mieux avec un plongeoir tout au fond, les sofas et il y a un banc voilà, qui est juste derrière, comme ça on voit mieux. Et ça donne un assez grand extérieur quand même. Donc là, on passe à l'intérieur de la maison. Donc ça, c'est l'entrée. Avec leurs sacs, leurs chaussures, les parapluies et des miroirs, bien évidemment. Donc une belle grande entrée, mais voilà, utile quand il y a 5 Sims dedans. Donc là, il y a deux portes. Donc la première porte, c'est les toilettes, on verra juste après. La deuxième porte, donc c'est la chambre du garçon. Le seul et unique garçon, donc je suis partie pour du noir, mais j'ai mis pas mal d'armoires parce que bon, on reste quand même dans la maison des modèles, donc un fashion. Il a son bureau et juste derrière cette porte, il a sa salle de bain à lui privative, donc je suis restée sur du noir, mais du noir comme je vous dis assez classe. Et la porte qui était juste à côté, donc c'est les toilettes, mais là accès à tout le monde. Donc là, on repasse dans le couloir. Et donc là, nous arrivons dans la grande cuisine, donc avec un immense plan de travail au milieu. Donc je suis restée toujours je suis restée sur du noir et du blanc, toujours quelque chose de classe. Là, on a les escaliers qui montent à l'étage. Là, on a le petit coin avec les bars sur le côté de la cuisine. Voilà, on voit la cuisine d'un petit peu plus près. Donc là, nous arrivons dans le salon. Donc le salon, je suis partie pour du noir, du blanc et du rose. Comme je vous ai dit, je voulais qu'il y ait du rose, mais pas trop non plus. Donc j'en ai mis un petit peu par-ci par-là. Voilà, là, j'ai juste mis quelques murs roses par-ci par-là. Et je trouve que ça ressort vraiment super bien. Donc ça fait un côté classe et moderne à la fois. J'espère que vous allez ressentir la même chose que ça. Et j'ai mis des tableaux un peu, voilà, qui font modèle, qui font mode, fashion, un petit peu par-ci par-là pour bien rappeler l'esprit des modèles. Donc là, on voit la table d'un petit peu plus près. Donc là, on repasse dans le salon et vous avez vu, il y a une petite porte qui mène dehors, donc où on était tout à l'heure avec les piscines. Donc je vous refais voir vite fait. Donc maintenant, on arrive à l'étage. Donc l'étage, c'est là où il y a l'étage dédié aux filles, on va dire. Donc la première chambre, je suis partie pour du vert. Je suis partie plus pour une fille donc, qui a accès sur le dessin, qui dessine beaucoup. Vous verrez, j'ai téléchargé des trucs qui font qu'on dirait une Sims voilà, qui est dessinatrice, qui aime le dessin et qui aime la mode, donc qui voudrait être styliste. Donc je suis partie pour ça. Donc là, on voit voilà, les crayons de couleur. J'ai trouvé pas mal, voilà. Là, vous voyez d'un peu plus près. Et c'est pour ça que ça m'a donné cette idée de chambre, en fait. Quand j'ai vu ça, mais je me suis dit, mais oui, c'est tellement parfait. Modèle, styliste, tout va très bien. Donc, j'étais vraiment ravie. Donc là, on repasse dans le couloir. La deuxième porte, c'est leur salle de bain à elle. Donc là, je suis partie pour une salle de bain de filles avec du violet. Donc, elles ont une baignoire. Et juste à côté, derrière le demi-mur, c'est les toilettes. Donc, voilà. Après, juste à côté, on passe à la deuxième chambre d'une fille. Donc là, je suis partie pour du rose, un rose et blanc, mais quelque chose toujours de classe. Donc j'ai téléchargé beaucoup de contenu pour cette maison. J'en ai trouvé beaucoup, beaucoup et j'en suis vraiment très, 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 très contente. Là, c'est une troisième chambre. Donc celle-ci, je suis partie plus pour du côté, un côté un peu industriel béton, donc orange avec un mur en briques. Et je trouve qu'elle ressort vraiment super, super bien au final de cette chambre. J'en suis vraiment très, très, très contente. Là, c'est leur petit balcon. J'ai rien voulu mettre sur le balcon parce que ça gâchait l'extérieur. Donc là, on voit le groupe des modèles de loin. Et là, c'est la dernière chambre. Donc la dernière chambre d'une fille où je suis partie plus pour le mode bohème hippie, mais toujours en restant dans le classe avec un petit nounours et des plantes. Et je trouve qu'elle ressort pas mal aussi cette chambre et j'en suis vraiment très très contente aussi.
Donc là, voilà, on voit l'étage du bas vu de haut. Donc on retrouve bien l'entrée. Quand vous entrez, donc on a la cuisine avec salon, salle à manger et les piscines. Et de l'autre côté, voilà, on retrouve bien les toilettes, la salle de bain privative à monsieur et la chambre du monsieur, enfin du garçon. À l'étage, donc on retrouve bien nos quatre chambres spéciales filles. Donc vous arrivez, voilà, vous avez la première chambre avec la Sims dessinatrice styliste, on va dire. La salle de bain en violet, juste à côté la chambre rose, juste à côté la chambre plus industrielle, on va dire, vu que comme je vous ai dit, il y a du béton, mais enfin voilà, ouais, c'est juste pour ça. Et juste à côté, la dernière chambre qui est plus un style bohème hippie, mais vraiment très très vague. Donc voilà, et leur balcon. Donc on va revoir tout de suite la maison entièrement. Donc j'attends vraiment vos commentaires avec impatience, comme je vous dis. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous aimez et autant cette maison que moi. N'hésitez pas à la télécharger dans ma galerie. Mon pseudo est toujours Bilougas. En tout cas, donc il y aura un épisode avec les modèles. Parce que j'ai pas encore déménagé Flora. Flora arrive bientôt dans cette maison. Elle a déjà sa chambre, mais je n'avais pas encore déménagé. Et j'ai juste envie je vais y arriver, de faire juste un épisode, voilà, avec les modèles pour pouvoir jouer avec cette maison. Parce que c'est, comme je vous ai dit, c'est une maison que j'aime beaucoup et j'ai vraiment envie de faire un épisode dedans exclusif. Voilà, en jouant avec tous les modèles. Donc ça arrive d'ici une ou deux semaines sur ma chaîne. Je vous fais des gros gros bisous et à bientôt!